J'ai peur. Je sais pas vous, mais moi j'ai peur de beaucoup de choses. En fait, je crois que j'ai peur de tout. Ah non, j'ai pas peur de faire des vidéos. Je vais commencer par ma plus grande peur, et sûrement la peur de tous. Les araignées. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai une réaction très personnelle face aux araignées. Pour combattre une araignée comme Smiley, il vous faut du Pledge, de l'alu, et un aspirateur. Et voilà, vous êtes prêts à éliminer votre araignée. J'ai un très mauvais réflexe après avoir éliminé une araignée. Je regarde toujours partout s'il n'y a pas le reste de sa famille. Elle est peut-être dans ma chaussure. Vous êtes là-dedans? Vous êtes là derrière? Il y a une araignée là-dedans? Une autre de mes phobies, c'est l'avion. Et croyez-moi, ceux qui le prennent avec moi s'en souviennent. On va tous crever. C'est normal que ça secoue autant? Je regarde toujours les hôtesses avec une crainte, et si jamais elles s'assied, eh ben, je prie. Elles s'assied ! Non, madame, debout ! Je ne me détache jamais, et la personne qui est à côté de moi ne peut pas bouger. Non, je me détacherai pas, et toi non plus, c'est trop dangereux. Je sais qu'on a pour 15 heures de vol, mais tu restes attaché. Tu dois aller aux toilettes ? Ah ben, je vais demander une bouteille à l'hôtesse. Madame, s'il vous plaît, on pourrait avoir une bouteille ? Je suis un peu hypochondriaque, j'ai toujours l'impression de m'être chopé un truc grave. J'évite toujours les gens malades, et si jamais j'ai pas le choix de les voir, j'ai une technique imparable pour si jamais ils éternuent. Ah oui, tout à fait. Chier ! Ça va ? Tu vas bien ? Non mais tu deviens tout bleu. Tu veux que j'ouvre la fenêtre pour aérer ? Mais vous savez qu'il y a pire comme phobie que les miennes ? Il y a la pédophobie, la peur des enfants. Moi, je ne comprends pas qu'on ait peur des enfants. Quoique, je me souviens que la seule fois où j'ai fait du babysitting... Merci beaucoup, Monsieur Smiley, de vous occuper de mes charmantes petites filles. Il y a la carcophobie, la peur des fruits. J'espère qu'ils travaillent pas chez un imprimeur de fruits et légumes, hein. La cumulophobie, c'est la peur des nuages. Ah ben celui-là, il devrait venir prendre l'avion avec moi. Vous imaginez une icône qui est cumulophobe? La bistrophobie. Non, non, c'est pas la peur d'aller au café du coin. C'est la peur des bicyclettes. Je ne vais pas toutes vous les faire parce qu'il y en a des milliers. Et puis c'est des vraies phobies, donc soutenons-les. Et puis si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut, abonne-toi. Quoi? Tu es abonophobe? Ça existe? Mais vas-y, il faut vaincre ta peur. Abonne-toi, clique là en bas. Allez. Mais non, je vous ai pas oublié. Voici le résultat du concours Snapchat. Mais j'ai pas su choisir, donc en fait, je vais tous vous montrer. Aussi, n'hésite pas à m'envoyer ta plus belle photo avec ton plus grand sourire sur mon Snapchat ou sur mon Facebook. Les liens sont dans la description juste ici en bas.